Les gars, honnêtement, je viens de sortir du bar où je regardais le match en attendant ma séance de ciné pour aller regarder Creed, parce que je vais plus me divertir en regardant Creed qu'en regardant cette équipe de merde, cette équipe de bras cassés, cette équipe qui n'en a rien à foutre de ce maillot, qui n'en a rien à foutre de ce logo. Et très clairement, c'est vraiment n'importe quoi. De la première à la 90e, c'est vraiment n'importe quoi. Je n'attends même pas la fin du match pour faire le débrief. L'ambulance est là et je pense que c'est pour cette équipe. Quand je pense qu'il y a des supporters qui payent 600 euros la place pour voir ces merdes, quand tu vois ces dirigeants de merde, eh ben mon pote, je te le dis la vérité, c'est n'importe quoi. Moi franchement, ça ne m'intéresse pas. Là très clairement, ce qui va se passer, ça va être catastrophique parce qu'il va rien se passer. C'est ça le pire. Quand tu vois que Kalimuendo, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui sort de 2 ans exceptionnels à Lens, que tu dégages à coup de pied dans le cul pour acheter Hugo Ekitike 40 millions d'euros, tu as encore vu la leçon. Jusqu'à quand ça va durer? Coman, quand il joue contre nous, il marque à chaque fois. Choupo-Moting qui marque contre nous, Nkunku qui marque contre nous, et maintenant Kalimuendo qui marque contre nous. Ça, c'est la spéciale Paris Saint-Germain. À chaque fois qu'il y a un ancien Parisien, il marque contre nous. Mais là, très clairement, ce qui se passe encore ce soir était très clairement prévisible. Alors moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire le pari. Je voulais mettre tout mon oseille, le peu d'oseille que j'ai, sur le stade Rennais. Malheureusement, j'ai pas eu les coronesses de le faire. Mais je peux vous dire le nombre de gens à qui j'ai dit de mettre leur compte bancaire entier sur le stade Rennais. Je savais que c'était un chocolat. Et je savais que cette équipe n'en a plus rien à faire du Paris Saint-Germain. Le mercato a été complètement raté. Cet hiver, il n'y a même pas eu de mercato. Tu veux prolonger Messi, tu veux prolonger Ramos, tu veux prolonger Marquinhos, même s'il n'était pas là ce soir. Voilà, on va pas revenir sur le niveau de Marquinhos, mais ce soir c'est catastrophique. Vous allez encore nous parler, les footiques ce soir, des blessés. Il y avait beaucoup de blessés, et alors, quel rapport? Quel rapport? Très clairement, tu es en dessous de tout. C'est la nullité totale. Et quand on dit, il n'y a pas de stabilité au Paris Saint-Germain, c'est faux les enfants, c'est faux. Parce que dans la médiocrité depuis des années, il y en a de la stabilité. Parce que là, on est arrivé à un niveau au sommet. On n'a jamais vu plus exécrable que ça. Très clairement, j'en ai pas le souvenir. Très clairement, j'en ai pas le souvenir. Parce que même quand on jouait le maintien sous l'ère Canal+, sous l'ère Colonie Capitale, au moins on mouillait le maillot. On mouillait le maillot. On jouait les coupes à fond. Mais là, très clairement, c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. C'est une honte totale. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Quand est-ce que vous allez comprendre que Lionel Messi n'a plus rien à faire au Paris Saint-Germain? Qu'il soit le meilleur joueur de l'histoire du football ou non? Il a quitté le Barça, il n'avait pas d'autre choix que de signer au PSG. Messi s'en bat les couilles du Paris Saint-Germain. Messi n'en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Même Mbappé, il s'en fout du Paris Saint-Germain. Il est resté au Paris Saint-Germain parce qu'on lui a sorti le chéquier. Mais sinon, Mbappé ne serait pas là. C'est très simple. Voilà, c'est très très simple. Tous ces joueurs-là n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre leur chèque à la fin du mois. Ils s'en foutent de se faire éliminer en Ligue des Champions dès les 8e. Ils n'en ont rien à faire. Parce qu'ils savent que les dirigeants vont rien leur dire. Même ce soir, les dirigeants, ils vont encore t'expliquer après le match. Non, Galtier va rester. On a confiance en Galtier. On a confiance en Campos. On a confiance en Nasser. Garde Nasser, garde Campos, garde Galtier. Continuez comme ça. Très clairement, l'année prochaine, je ne sais même pas si on sortira des poules de Ligue des Champions, parce qu'il n'y aura pas de mercato cet été, parce qu'aucun joueur voudra partir. Mais là, très clairement, c'est du foutage de gueule. C'est une honte, c'est une faute professionnelle ce soir. Et moi, je serais la Ligue de football professionnelle. Franchement, je sanctionnerais le Paris Saint-Germain pour non-jeu. Pour non-jeu, parce que ce n'est pas une équipe de football. Et on nous prend pour des cons. D'accord, on nous explique que les 2 premiers mois, ça a bien joué pour préparer la Coupe du Monde. Mais on a vu quand même du beau jeu les 2 premiers mois. On l'a pas inventé ce beau jeu au mois d'août et au mois de septembre. Et depuis, plus rien. Et surtout depuis la Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde, c'est le néant total. Mais maintenant, il va falloir rendre des comptes. Et pas que les dirigeants. Pas que Luis Campos. Pas que Christophe Galtier. Les joueurs aussi vont devoir rendre des comptes. Parce que je veux bien qu'on dise Galtier est nullissime. Que Campos est un incompétent fini. Que Nasser Al-Khelaifi est un prof de tennis et qui n'a rien à faire au Paris Saint-Germain, que Doha ne veut faire que du profit et ne s'intéresse pas aux sportifs. Ça, d'accord, on est tous d'accord pour dire que c'est la vérité. Mais à un moment donné, il va falloir que les joueurs aussi prennent leurs responsabilités, parce que je veux bien, d'accord, ils sont dans un confort incroyable, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Il y a eu tellement d'histoires, depuis plus de 2 ans maintenant, des histoires extra-sportives, qui n'ont rien à voir avec le football. Même cette année, le char à voile,
Neymar au McDo, Neymar au poker, Mbappé qui veut quitter le Paris Saint-Germain au mois d'octobre. L'année dernière, tous les mecs qui sont partis au Bois de Boulogne se tapaient des tapins. Mais il n'y a qu'au PSG que tu vois ça, c'est une catastrophe. Et franchement, je suis très triste. Franchement, je suis très triste. Quand tu vois que tous les Parisiens qui s'en vont, ils brillent dans les autres clubs. Ce club est à vendre. Il faut qu'il vende. Il faut qu'il dégage. Et à un moment donné, j'appelle aux supporters de faire une manifestation, mais très grave. Comme il s'est passé pendant la réforme des retraites. Parce que là, très clairement, c'est plus possible. Tu peux pas continuer comme ça. Là, très clairement, le club, il est fini. Je ne sais même pas si tu vas gagner le titre. Si Marseille gagne ce soir, Marseille revient à 7 points. C'est pas grand chose. Il reste 11 matchs derrière. Franchement, 33 points à prendre. C'est pas fini. Attention, on verra ce que fera Marseille ce soir. Mais si Marseille gagne ce soir, Marseille revient à 7 points. 7 points sur 33 possibles. Je peux vous dire que tous les matchs qui vont se passer jusqu'à la fin de saison vont se passer comme cet après-midi. C'est très simple, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. C'est pour ça que je ne trouve même plus la motivation pour faire des vidéos, parce qu'il va se passer la même chose et on va répéter la même chose de match en match, de jour en jour, de heure en heure. Il va rien se passer pendant le mercato, il va rien se passer cet été, aucun grand coach ne voudra venir et c'est une honte. Je n'ai plus les mots, je peux sortir tous les mots possibles et imaginables, je peux sortir des mots du dictionnaire, mais à part le néant, la honte totale, le scandale, c'est honteux. T'as même pas un dirigeant qui vient parler devant la conférence de presse. T'as Messi qui insulte Galtier en pleine séance d'entraînement. C'est Galtier qui prend des baffes par Mbappé pendant le truc à Poissy. C'est pas possible. Il y a des choses qui se passent dans ce club-là que tu ne verras jamais, jamais dans d'autres clubs. Jamais. Sortez-moi un club où il se passe des choses comme au Paris Saint-Germain. Ça n'existe pas. C'est une honte totale. Voilà, je me répète, mais à part dire ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut même pas parler football parce qu'il ne joue pas au football. On peut parler de rien. Qui est l'équipe type ou pas l'équipe type ou l'équipe remaniée, c'est toujours la même chose. Tous les ans, Neymar blessé. Tous les ans, Mbappé des histoires. Tous les ans, Messi, on sait qu'il veut partir et qu'il n'a jamais voulu venir au Paris Saint-Germain. Il est venu au Paris Saint-Germain parce que c'était le seul club qui pouvait l'accueillir juste avant la Coupe du Monde et qui jouait la Ligue des Champions. Personne d'autre en avait les moyens. Le PSG n'est pas une équipe de football. Le PSG est une équipe de Disneyland. Voilà, ce sont des marionnettes. Ce sont des mauviettes. Ce sont des nullards. Ce sont des incompétents. Je ne trouve même pas un joueur qui soit, on va dire, à 100% blanc-blanc. Personne n'est irréprochable dans cette équipe. Et dans ce club, tout le monde a coulé. Les joueurs, l'entraîneur, le staff médical, le président, le directeur sportif, QSI, les supporters, tout le monde a coulé. Le seul qui n'a pas coulé, c'est le jardinier du parc. C'est tout. Voilà les postos, je suis très triste, mais moi franchement, ça commence vraiment à... j'ai plus de mots. Ça me dégoûte. Voilà, à part dire, je peux pas dire autre chose. Voilà, ça me dégoûte totalement. Ça m'attriste et ça me dégoûte. Ça m'attriste pour le club. Ça m'attriste pas pour les joueurs, parce que les joueurs, eux, rien ne va changer. Ils continueront à vivre leur vie de milliardaire, leur vie magnifique, et nous la merde, très clairement. Donc j'ai pas de peine pour eux. J'ai de la peine pour le Paris Saint-Germain et ce qu'ils ont fait du Paris Saint-Germain. Parce que certes, c'est une réussite marketing, mais au niveau sportif, c'est catastrophique. C'est le Titanic. C'est le vol Paris-Rio, c'est le vol Malaysia Airlines. C'est catastrophique, c'est nullissime, c'est pourri. Et puis, franchement, casse-bonbon. Et plus aucun intérêt à regarder cette équipe. Prolonger Messi, prolonger Ramos, prolonger Marquinhos jusqu'en 2072. Continuer à acheter des vieillards de 37 ans qui viennent juste pour prendre leur chèque. Continuer à prendre des joueurs inconnus qu'on ne connaît pas. Voilà. Et même le centre de formation n'est pas au niveau. Le mec, il te met Zaïre Emery, défenseur central. Non mais franchement, tu me prends pour des cons quoi. D'accord, je comprends que t'es des blessés, mais à un moment donné faut arrêter. Prends au moins des titis qui jouent à leur poste. Le mec, c'est complètement scandaleux. C'est inadmissible. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao.